حسبي لو قضي العمر بهربو حسبي والله حسبي. ليلي ليلي الليلي الليل يا عين يا ليل يا ليل الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم. بسم الله الرحمن الرحيم. Le temps des prières. Allah Ta'ala dit: Inna as-salata kanat 'ala al-mu'minina kitaban mawquta. Ce qui signifie: certes, la prière a été prescrite pour les croyants dans des temps déterminés. Sourate An-Nisa, ayah 103. La prière est la meilleure des œuvres après la croyance en Allah et en son messager. Allah a rendu obligatoire 5 prières par jour et nuit pour tout musulman, pubère et saint d'esprit. Le musulman, pubère et saint d'esprit doit donc les observer et apprendre comment le temps de chacune d'entre elles commence et finit. Les 5 prières et leur temps respectifs sont la prière du dhuhr, qui est de 4 rak'ah. Son temps commence lorsque le soleil s'écarte du milieu du ciel, le zénith, en direction du couchant. Il finit lorsque l'ombre d'une chose quelconque a atteint une longueur égale à celle de la chose elle-même, en plus de la longueur de l'ombre au zénith. On entend par chose quelconque un bâton, par exemple, planté bien droit sur un sol plan. L'ombre au zénith, c'est l'ombre de cette chose lorsque le soleil se trouve au milieu du ciel. Si on se tient debout au soleil, quand le soleil est au milieu du ciel, on mesure son ombre, c'est l'ombre au zénith. Lorsque le soleil décline vers l'ouest, on remarque que son ombre s'est allongée et a tourné vers le levant, signe que le temps du dhuhr a commencé. La prière du asr, qui est de 4 rak'ah, son temps commence à la fin du temps du dhuhr et dure jusqu'au coucher du soleil. Donc lorsque l'ombre d'une chose quelconque a atteint une longueur égale à celle de la chose elle-même, en plus de la longueur de l'ombre au zénith, le temps du asr commence et celui du dhuhr finit. La prière du asr, qui est de 4 rak'ah, son temps commence à la fin du temps du dhuhr et dure jusqu'au coucher du soleil. Donc lorsque l'ombre d'une chose quelconque a atteint une longueur égale à celle de la chose elle-même, en plus de la longueur de l'ombre au zénith, le temps du asr commence et celui du dhuhr finit. La prière du maghrib, qui est de 3 rak'ah, son temps commence après le coucher du soleil, c'est-à-dire après la disparition de la totalité du disque solaire, et il finit à la disparition de la lueur rouge. La lueur rouge, c'est la rougeur apparaissant du côté du couchant lorsque le soleil s'est couché. La prière du isha, qui est de 4 rak'ah, son temps commence à la disparition de la lueur rouge et finit à l'apparition de l'aube. La prière du subh, qui est de 2 rak'ah, son temps commence à l'apparition de l'aube véritable, al-fajr as-sadiq, qui est une lueur blanche transversale à l'horizon est, et il finit dès le début du lever du soleil. Il est un devoir d'accomplir ses obligations dans leur temps respectif pour tout musulman pubère, saint d'esprit et pur. Pur concerne la femme qui est pure des règles et des lochis. Il n'est donc pas permis d'anticiper ses prières ou de les reculer par rapport à leur temps sans excuse valable selon la loi de l'islam. Comme la maladie très éprouvante ou le voyage, selon les conditions du voyage telles qu'elles sont définies dans la loi.
والحمد لله رب العالمين La louange est à Dieu, le Créateur du monde. Rabbil Alamin, la louange est à Dieu, le Créateur du monde. Et quand demain...